Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous apprendre comment faire cet effet. C'est juste simple, c'est pas très difficile. Ici j'ai eu à détourer déjà mon image. L'image a déjà été détourée. Vous allez voir qu'il n'y a pas de fond derrière. Si je désactive la visibilité des calques, vous allez voir que le fond derrière le joueur est vraiment transparent. Donc j'ai déjà fait le détourage. Une fois que vous avez détouré votre image, qu'est-ce que vous faites? Je vais poser mon image au centre. Je vais prendre l'outil de texte et puis je vais écrire son nom. Je crois qu'il s'appelle Baldé. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il s'appelle Baldé. On va donc écrire Baldé. Une fois qu'on a écrit Baldé, on va venir là. On va choisir une police qui en jette. Et puis on va changer la couleur. On va le passer par exemple en blanc. Ok. Une fois que je le passe en blanc, je le pose ici, par exemple. C'est qu'on va prendre le calque de texte ici. On va le dupliquer. On va faire Command J ou Control J. On a Baldé et puis Baldé copie. On va prendre Baldé copie. On va le glisser en dessous du calque de l'image. Ok, et puis on va prendre le calque baldé qui est juste au-dessus. On va double cliquer ici, on va y mettre un contour blanc. Si on garde un et puis on valide, on reste toujours sur le calque baldé. On va venir là dans fond et on va le passer à 0. Ok, on peut par exemple rajouter un peu de contour. On va le passer à 2 par exemple. Et non, on va le passer carrément à 3. On va le passer à 3. Et qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer peut-être le rendu? On va essayer de gommer à certains endroits. Ok, on va d'abord convertir ce calque en objet dynamique. La conversion en objet dynamique nous permet de modifier le texte. On peut entrer dans l'objet dynamique et puis le modifier. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un masque de fusion. On crée un masque de fusion juste là au-dessus. Et puis, on va venir prendre un pinceau. On vérifie ici que la couleur de premier plan est en noir et que l'arrière-plan est blanc. On vient ici, on va juste gommer certaines parties. Et voilà, ça nous fait un truc plus fin, un peu plus beau. On peut mieux voir le visage de Baldé. Voilà. On va juste faire passer le pinceau. Et voilà le résultat.